Et peut-on savoir d'où vous venez, messieurs? Rungis. Fren, madame. Ah, ça. Rungis ou bien Fren, parce que... Vous comprenez, c'est pas la même spécialité. Fren. C'était donc Fren. Sophie avait le sourire figé au bord des larmes qu'on adresse à ceux qui s'apprêtent à vous abattre. Pour elle, c'était déjà fini, et ses lèvres en tremblaient. Sa mâchoire était vissée comme au jour d'un concours de piano avec Scriabine au répertoire imposé. Elle se remaquilla un peu, joua du miroir pour mieux scruter le visage des deux dégueulasses qui venaient assassiner sa banquette arrière. Même à leur reflet, on pouvait deviner qu'ils puaient. On entendait le blessé, le plus petit, sucer la paume de sa main. Au seul son du susotis, Walter et Sophie concevaient une égale horreur à se recomposer le bruit qu'avait dû faire son couteau lorsqu'il avait percé les chairs des malheureux qui gisaient sur la route. Ah ! Sophie faisait un bel effort pour rester à corte. Mais un chien aurait de suite compris qu'elle ne faisait que montrer les dents. À sourire comme ça, elle allait bientôt se faire mal. La seule question qui valait pour Walter était de savoir si on les avait vus. Il jetait des coups d'œil fugaces au rétroviseur, persuadé qu'un fourgon de police, toutes sirènes hurlantes, allait les contraindre à s'arrêter. Mais rien. Pour l'instant.